Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette émission de jeux vidéo. Et on va parler du jeu vidéo qui s'appelle COPS 2170. Alors, il n'y a pas eu trop de vidéos, j'ai fait dessus sur ce jeu. Pour la simple et bonne raison que le jeu m'a pas attiré du tout et en plus c'est très dur à jouer, c'est très compliqué et c'est prise de tête. Voilà. Le fait des déplacements qui, on sait même pas où faut aller se déplacer, les cubes qu'on va prendre, c'est, et puis là où il faut aller, aussi les directions. Où faut-il aller? Et après, pour attaquer les ennemis, là c'est chacun son tour. Alors c'est pas évident d'utiliser les armes. Voilà. C'est mon point de vue. Après, sinon, le jeu, c'est dommage. Les dialogues sont en anglais, c'est dommage. Parce que c'est traduit en français. Et... enfin, ça aurait pu être bien. Mais bon. Voilà, la vidéo est très courte parce que j'ai pas trop de choses à dire sur ce jeu, étant donné que je suis resté... je suis pas allé très loin dans le jeu. Déjà, je m'attendais à mieux. Quand j'ai vu COPS 2170, je me suis dit, waouh, c'est un jeu futuriste, ça va être bien. Et, non. J'étais déçu, je pensais que ça allait être un jeu comme Urban Chaos. Mais en fait, non, pas du tout, j'étais déçu. Franchement, j'étais déçu. Ma note, ça serait, 3 sur 20. Quand je dis 3 sur 20, encore, je suis gentil. Voilà, pour ce jeu. Après, pour qu'ils améliorent, si on pouvait utiliser les véhicules, savoir où on pouvait rentrer, tout ça, ça aurait été davantage mieux. Les dialogues en français, ça aurait été bien aussi. Ça aurait changé. Mais là, non. Et puis les techniques de combat, ça aurait été mieux, comme la même manière que Urban Chaos, ça aurait été mieux. Là déjà, s'ils avaient rajouté tout ça, la note aurait grimpé, sacrément. Urban Chaos, c'est plus... enfin, je compare les deux, normalement je dois parler que COPS 2170. Mais bon, c'est un jeu du futur et en quelque chose, c'est pas un jeu futuriste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce jeu. COPS 2170, 3 sur 20. Et honnêtement, il aurait pu améliorer des choses. Si jamais ils font la suite de ce jeu, surtout, mettez les dialogues en français. Les véhicules qu'on puisse rentrer dedans, c'est des véhicules futuristes, à quoi ça sert d'avoir des véhicules futuristes si on ne peut pas rentrer dedans. Et puis améliorer la technique d'attaque, ça aurait été mieux ça. Voilà. Bon, cette vidéo est courte, je sais, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était jeu vidéo pour le jeu COPS 2170. Au revoir et à bientôt.